صباح الخير جميعا اهلا وسهلا فيكم في بيروت وفي اجتماع استكشاف لدعم سياسات العامه للتجوال. انا راح اكمل الحكي تبعي بالانجليزي فاللي بحتاج للترجمه رجاء يطلب من جهاز الترجمه وانجي راح تكمل بالفرنسي فكمان بحتاج ترجمه للفرنسي. Good morning, everyone. My name is Tala Nabulsi. I'm the program manager at the Arab Education Forum based in Amman, Jordan. I would like to thank you for taking the time to be with us today in Beirut during this important initiative, Istikshaf Regional Policy Agenda Meeting, which is the first policy agenda that will be that has been developed and launched in the Arab region or on a regional level. I also would like to thank Roberto Cimetta Fund, presented by Andy today, for their cooperation and support for Istikshaf platform, which has been launched in December 2011. And our other partner in Egypt, the International Association for Creation and Training, we have launched this program to be a platform to discuss mainly policies and main issues related to mobility. Our meeting today will start with introduction of the Istikshaf policy agenda for mobility that was sent to you earlier to brief you about it and to give you an idea about the work that we have been developing since June 2012, as well as a survey that was sent to you that hopefully, if you didn't complete it already, we will hopefully would like you to also send it to us later on after our meeting. Of course, you would have more information about what we are aiming for, and hopefully it will help you in supporting this policy agenda and filling in the survey. So we will start by the introduction to the Istikshaf policy agenda, and then we will break into working groups working on the four policy issues that have been presented in this policy agenda. And later on, we will also start working on action plans where groups will be working on specific steps and actions that can be taken on the country level. And so that will be towards the end of the day. And we will also be presenting successful campaigns, or also would like you to share with us successful campaigns on mobility or initiatives that for sure a lot of you have been involved in or have heard of. So we would like also to have this discussion and sharing of experiences from within our meeting today. I also would like to thank, before giving the mic to Angie, the French Institute for hosting us today, and for the European Union for funding this project and this platform. And I would like to thank you, each one of you, for being with us today. It's a pleasure to have you all with us. And hopefully within this coming day, we will also what we are aiming for is to actually start working on the idea of Istikshaf is to create this platform of stakeholders, of individuals, of organizations that can work together to support mobility. And so we're trying throughout this day to work on developing that platform and discussing the specific policies and positions in the areas, in different areas, focusing on culture, art, and social entrepreneurship. So these are the three components we would like to focus on when talking about mobility. To better help people understand the policy issues and their impact and provide tools to influence them. So that's also part of our goal for today and later on. We're hoping by the end of today to finalize the policy agenda. We sent you a draft, but hopefully with the work of today, we can finalize it so we can officially launch it today at 5 p.m.
here at the French Institute at a press conference, and we took this opportunity of you being with us and finalizing this important regional policy agenda so we can launch it officially from Beirut, from the French Institute, and hopefully we will have also media to cover it. And then it will be posted, it's already posted on Facebook, we're tweeting about it, we have also a live stream, so people are watching us starting from now, and we have actually also promoted this event on a large level on the different social media tools. And we have also held several meetings with other groups. Some of you might have been attended one of our meetings. We started in Alexandria, then we moved on to Amman. We had several focus groups. We sent also surveys to collect information about what people's thoughts are and ideas and experiences about this policy agenda. So we've done a lot of work with the help of Roberto Chiametta Fund, IACT, and all our partners, supporters, and people who would actually are interested in the policy agenda and the idea of supporting mobility, as I said, for culture, art, and social entrepreneurs. So I don't want to take much of your time. I would like to give the mic to Angie also to elaborate more on this partnership, on the Istikshaf platform, on also the work they have been doing on the issues of mobility and supporting it through policies and through also other campaigns that have been successful. And hopefully our also campaign will be a successful one with you being with us and supporting it, and that's what we're aiming for. So thank you very much for being with us, and we hope to have a very important meeting and also productive with all your ideas and support. So I wish you all the best, and tomorrow also, you know, the program is between your hands, so also Angie can tell you more about tomorrow's program. So thank you very much, and I'll leave the mic to Angie. Okay. Thank you, Tala. Merci. Comme ça, voilà. Bien, je suis très contente aussi d'être là avec vous tous et je vous remercie tous d'être présents, d'être venus. Et je pense que la majorité des personnes ici connaissent bien. Alors, tout le monde a un casque pour la traduction, c'est bon? Je pense que la majorité connaissent le fonds Roberto Chiametta. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient une petite explication ou pas? Non? Bon. De toute façon, la journée de demain sera consacrée effectivement à, d'une part, une présentation de ce qu'on fait actuellement, et puis d'autre part, on élaborera plus en détail le travail qu'on fait auprès des boursiers qui postulent donc pour des bourses à la mobilité. Là, aujourd'hui, je vais me concentrer plutôt sur le travail qu'on fait pour le plaidoyer. Et je voulais, pour lancer la balle, parce que je pense que c'est le sens de cette journée, c'est vraiment qu'on puisse dire ce qu'on pense, voilà, participer pleinement, donc je compte sur tout le monde, parce que nous, on n'a pas les idées infuses, et il nous faut absolument dialoguer avec vous pour savoir quelles sont vos opinions, quelles sont vos prises de position ou quelles sont vos initiatives. Moi, je voulais juste vous dire que, donc, au niveau du travail qu'on fait au fond Roberto Chiametta, cette année, on a pas mal travaillé effectivement sur le plaidoyer auprès des instances européennes, notamment. On a, par exemple, on fait partie, le fonds Roberto Chiametta fait partie d'un réseau qui s'appelle On the Move, que peut-être vous connaissez.
et qui gère en fait un site d'information sur la question de la mobilité et qui lance des initiatives pour sur des thèmes qui sont liés à la mobilité et liés peut-être aux difficultés de la mobilité et entre autres la question des visas. Et donc on a eu une réunion la semaine dernière qui était à l'initiative donc de On The Move et on a eu la présence de certaines personnes de la Commission européenne, notamment de la DG Culture, donc qui s'occupe de tout ce qui est programme culturel, politique culturelle au sein de l'Union européenne. Et la DG Home, ça s'appelle, ou la DG Intérieur, qui s'occupe spécialement, entre autres, de la question des visas. Donc c'était une réunion comme aujourd'hui. Hein, on était là pour discuter, pour échanger nos idées. Et je voulais vous faire part un petit peu des questions qui ont été évoquées. En fait, on a basé notre atelier sur un questionnaire qui avait été envoyé et auquel une centaine de personnes ont répondu. Ils étaient du monde arabe, mais aussi de la Russie, par exemple, parce qu'il y a un membre très actif dans The Move qui est en Russie. Donc, on a eu plein d'histoires comme ça, de difficultés que les artistes ont eues, notamment pour la question des visas. On a regroupé en fait plus d'une centaine de réponses de 33 pays différents, donc c'est quand même pas mal, c'est assez représentatif. Et on a constaté que la majorité des personnes qui ont répondu avaient au moins essayé de solliciter un visa ou d'avoir un visa au moins entre une et trois fois, peut-être plus, voilà, mais c'était bon. La moyenne, c'était, on va dire, trois fois. La majorité ont eu des problèmes, on va dire systématiquement des problèmes. Il y en avait peut-être 40%, quelque chose comme ça, et après ça diminue. Donc, bon, c'était assez conséquent. Ils ont focalisé surtout sur les difficultés techniques. Première difficulté qu'ils ont eue, c'était de communiquer avec le personnel dans les différents consulats. Donc c'est la difficulté de communication, la difficulté d'avoir un interlocuteur qui puisse les aider, qui puisse les comprendre. Ça, c'était la première difficulté. Mais on va dire que pour les artistes, il y avait trois problèmes majeurs. La première, c'était le fait que le timing ne correspondait pas. C'est-à-dire que les artistes, très souvent, ils sont sollicités pour voyager, on va dire, dans l'espace de un mois ou un mois et demi. Donc, ça leur laisse peu de temps pour faire les démarches de visa. Voilà, donc ça, c'était une des premières difficultés. La deuxième, c'est qu'ils ne pouvaient pas forcément témoigner d'un revenu régulier. Ça pouvait freiner effectivement l'obtention de leur visa. Et le troisième, c'est ce qu'on va appeler le statut, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus en tant qu'artistes. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? Parce que je pense que à partir de ça, on peut élaborer un message clair de ce que nous on peut faire pour effectivement témoigner de ces difficultés et essayer d'avancer avec les différents interlocuteurs. Moi, je pense qu'il faut qu'on donne de la valeur à ce qu'on fait, à la question de la mobilité, à la manière dont on élabore notre travail, nos stratégies. Et donc, pour donner de la valeur, il faut constituer des cas, des statistiques,
des citations, des exemples, des choses comme ça. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait. Et après, par la suite, il faut effectivement faire les démarches en consultation avec les institutions. Et je pense qu'il y a effectivement des terrains sur lesquels on peut avancer, notamment sur des questions qui étaient visiblement assez vagues, comme cette histoire de revenus réguliers. Je pense qu'on peut essayer de voir avec les institutions européennes exactement ce que ça veut dire, qu'est-ce que veut dire être financièrement valable pour un artiste qui voyage. Par rapport à son statut, je pense qu'on devrait aussi regarder pas seulement son statut, mais pourquoi l'artiste voyage. Et que si on l'attaque de cet angle-là, peut-être qu'on aura plus d'avancées que de tout le temps parler du statut, alors que quelque part dans la mobilité, il y a aussi cette question de pourquoi on voyage. Je sais entre autres que la DG Home, par exemple, nous a dit, nous, ce qu'on veut absolument, c'est réduire tous les appels qu'on a en urgence. Les artistes qui appellent, qui n'ont pas de visa, c'est difficile. Donc je pense que là-dessus, peut-être qu'on peut travailler avec eux pour essayer de réduire ces urgences, travailler un peu plus en amont. Voilà, donc avec vous, j'espère aujourd'hui, on va bâtir des stratégies, tout simplement, pour avancer un petit peu plus concrètement sur ce type de questions. Et je vous propose, entre autres, de travailler là-dessus. Mais je sais que Rami a préparé plein d'autres choses sur l'agenda politique. Et je le remercie, d'ailleurs, parce qu'on a une très bonne collaboration avec Rami, Tala, Serene, beaucoup de vous qui sont ici aussi. Donc, je pense qu'on va bien avancer. Voilà, je laisse la parole à Rami. Merci.